le son trop fort. Calme-toi, c'est de l'ASMR. Ouais. Ouais. Ce moule, t'es vraiment vilaine. C'était pas prévu. C'est pour taper quelqu'un. Pas mieux de toc toc s'il te plaît. Non mais aidez-moi quoi, c'est pas normal ça. Bout de chaîne de vélo. Next. Si c'est un peu le concept de l'ASMR, j'en peux plus d'elle. Ça non plus, c'était pas très ASMR. Next. Je crois que ça veut dire non. ASMR. Coucou tout le monde. Coucou. Ah, c'est trop bizarre. On espère que vous allez bien. Oui, très très bien. On a décidé avec Jen de vous refaire une petite vidéo ASMR. Ouais. Est-ce que tu m'entends bien là? Ouais. Alors je suis désolée, il y aura peut-être un peu beaucoup de bruit de bouche. Mais j'ai mon allergie au pollen qui a commencé, donc j'ai le nez qui est pas super. T'inquiète. Et je m'aperçois que je commence la vidéo et j'ai soif en fait. T'es la pire maman, t'es la pire s'il te plaît quoi. J'ai pas encore acquis le concept ASMR. C'est pour ça. Donc je vous explique. Je vous retrouve aujourd'hui avec mon assistante préférée. C'est moi. Je crois que tout le monde le sait. Oui. À chaque fois tu vas faire ça. Oui. D'accord. Okidoki. Parce que Jen la dernière fois m'a dit: oh maman, je voudrais trop des... Sauf que moi, je ne savais pas du tout ce que c'était des pop-its. Mais genre vraiment pas quoi. Non, parce que je vais pas sur TikTok tout le temps. Pas mieux de toc toc s'il te plaît. Du coup, on a commandé des pop-its. Oui. Ils sont juste là. Et on s'est dit que ça pouvait être rigolo. Oui. De le faire. ASMR. Yes. Trop cool. Du coup, c'est parti. Mais je vais d'abord aller boire un coup. Non mais sérieux quoi? C'est moi. C'est elle. Fait un bruit que dans un sens, c'est normal. Bah, je pense que c'est la matière en fait qui fait qu'il n'y a que dans un sens que ça. Ah, ça m'énerve, ça vient à sa place. Attends, on va tenter. Vous êtes prêts? Non. Ça fait, c'est les bruits des craquements de doigts là. Ah non, maintenant tu l'as dit, je trouve ça horrible. Tu m'as agressé avec ton pop-it. En tout cas, c'est très joli et très coloré. Il en existe plusieurs formes. En fait, c'est un objet de déco plutôt cool. Je crois que je viens de manquer de respect à ces pop-its.
ça en fait. Un vache. Magnifique. Va chercher un
pas prévu. À ne pas reproduire chez vous. La violence, c'est pas bien. Next. Mais non. Ça m'amuse beaucoup. Vas-y, donne-en un. Ça, c'est pour taper. Du coup, comme vous l'aurez compris, c'était notre dernier pop-it pour cette expérience numéro 2 d'ASMR. Moi j'ai une question, je vais me rapprocher. J'ai une question, quel est ton objet préféré? Le mien? Yes, yo. Ouais, j'aime beaucoup ces fils là, mais j'aime aussi beaucoup les qui sont jolis. Parce que c'est bien pour la déco.
plus intéressant en fait avec les petits trucs à malaxer, parce que c'est vrai que c'est vraiment le côté anti-stress pour le coup. Du coup, quand Jen aura terminé de s'amuser, c'est bon, tu as fini. Je crois que ça veut dire non. Je fais de la musique. Ça y est, tu as fini la musique. Je voulais dire, n'hésitez pas à nous dire quel est l'objet que vous avez préféré. Étant donné que ce ne sont pas tous des pop-its, je voulais pas dire pop-its. Oui. Et du coup, on espère que cette deuxième petite vidéo ASMR vous aura plu, même si on a encore un petit peu pas touché dans la choucroute. Ah ouais, choucroute. Ouais. Ouais. Ce moule. Je sais pas. Ce moule. Jessie, papa, Josh.